sommes une société de restauration collective, indépendante et responsable. Nous avons mis en place des actions liées au management des femmes avec un groupe de travail qui s'appelle Manager au féminin, qui permet de regrouper nos manageuses. Des actions pour lier les générations entre elles, à savoir nos collaborateurs les plus âgés, les plus anciens, en départ en retraite, qui viennent former nos collaborateurs les plus jeunes intégrant l'entreprise. Ensuite, nous avons fait des actions liées à l'insertion professionnelle et notamment à l'insertion de publics défavorisés ou en difficulté. Rupture sociale. Oui, ça marche. Nous avons par exemple Evelyne qui a intégré l'entreprise en qualité aussi d'employée de restauration et qui a évolué au poste de chef gérant et qui aujourd'hui fait partie du groupe Manager au féminin pour nous aider à intégrer de nouveaux profils et ce type de profil. Avant tout, de se placer en mode projet et de manière transverse. Donc le projet doit être validé et compris par l'ensemble des collaborateurs. Et ensuite, c'est des actions simples, efficaces et individuelles. Aujourd'hui, il est important d'avoir des actions individualisées par collaborateur, tout en alliant aussi des actions collectives pour pouvoir toucher le plus grand nombre de nos collaborateurs.